Bonjour, bonjour mes food lovers, bienvenue sur ma page By Nia Cuisine. Aujourd'hui, je te présente une recette que j'espère que tu vas aimer. C'est la recette des galettes de mil. Donc là, on va utiliser le petit mil pour faire ces galettes. Donc c'est l'ingrédient principal. Donc sans trop tarder, voici la recette. Vous allez trouver la liste des ingrédients dans la description avec les quantités exactes. Donc, vous pouvez doubler les quantités selon votre besoin. Donc, je vais commencer par tamiser la farine de petit mil. Et ensuite, je vais aussi tamiser la farine de blé. Donc, ça, c'est la farine de blé normale que je vais aussi tamiser. Ensuite, on mélange bien pour que les deux puissent bien s'incorporer ensemble. Et ensuite, on va ajouter la levure. Donc là, j'ai pris de la levure instantanée. Vous pouvez aussi utiliser de la levure boulangère, mais dans ce cas, vous allez l'activer avant, avec de l'eau avant de l'ajouter au mélange. Donc après ça, je vais ajouter de l'eau, un peu d'eau, et puis la bouillie de petit mil. Donc ça, c'est de la bouillie que j'avais fait au préalable. J'ai juste pris un demi-verre de riz que j'ai fait bouillir jusqu'à obtenir de la bouillie. Vous allez ajouter l'eau progressivement et vous mélangez jusqu'à ce que vous ayez une pâte lisse. Mélangez jusqu'à ce que vous n'ayez pas de grumeaux. Mais vraiment, cette pâte n'est pas difficile à travailler. Si vous mélangez un peu seulement, vous allez voir, il n'y aura pas de grumeaux et puis la pâte sera vraiment parfaite. Pour la quantité des ingrédients que j'ai ici, j'ai eu environ une cinquantaine de petites galettes. Donc, si vous utilisez un plat qui est plus grand, vous allez avoir moins, bien sûr. Donc là, maintenant, je vais ajouter le sucre et ensuite, on mélange encore bien. On est presque à la fin de la recette. Vous allez voir, c'est vraiment facile à faire et puis c'est tellement, tellement bon. Donc là, je vais utiliser une banane. Ça, c'est optionnel. Si vous ne mangez pas la banane, vous n'êtes pas obligé d'ajouter. Donc, c'est une banane mûre. Je vais l'écraser à la fourchette. Et puis ensuite, on va l'ajouter encore au mélange. Donc, comme je disais, c'est optionnel. Si vous ne voulez pas la banane, ne mettez pas. Mais ça donne quand même une petite douceur et puis un bon goût aux galettes. Donc, voilà. Donc, ajoutez la banane et ensuite, mélangez encore pour bien incorporer ça à la pâte. Et pour la prochaine étape, on va ajouter la vanille. Donc, c'est de l'extrait de vanille, sinon ajouter du sucre vanillé. Et voilà, j'ai laissé reposer environ une quinzaine de minutes. Et puis maintenant, on va passer à la friture. Donc là, c'est un moule de blinis que j'ai. J'ai payé ça sur Amazon. Donc, je pourrais vous laisser le lien dans la description si vous en avez besoin. Donc, ça me donne quand même de belles petites galettes. Donc, regardez comment c'est vraiment beau et puis c'est tellement parfait. Avec les 16 ingrédients là, vous allez voir, vous allez vraiment réussir vos galettes. C'est super facile à faire et je suis sûre que vous allez l'aimer. Petite astuce pour retourner les galettes, j'utilise un bâton de brochette que vous voyez. Ça ne colle pas et c'est super. Bon, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et puis on se parle bientôt. Bye bye!